Alors bienvenue sur le stand du Marex. Je vais vous présenter la nouvelle carabine Amerly, Amerly Force B1 ou B1 pour les Français bien sûr. Donc cette carabine a été conçue totalement en Allemagne, à l'usine Hansberg. Donc c'est une carabine qui sort déjà dans un premier temps en 22 longs rifs, culasse linéaire, donc type biathlon. Donc très agréable, très fluide, pas de point d'accroche. C'est un boîtier usiné avec un rail Picatinny directement dessus, en aluminium. L'avantage de cette carabine, c'est un boîtier très plat, très fin, comme une carabine standard 22 longs rifs, je dirais, par rapport à certaines concurrentes qui ont des boîtiers plus larges, plus gros, et bien sûr moins bien équilibrés. Elle fonctionne directement avec un chargeur de chez Ruger en 10-22, détente 10-22, de multiples détentes, match, réglable, large, droite. Vous avez un éjecteur de chargeur ambidextre, sécurité ambidextre, donc un petit avantage pour les gauchers. Bien sûr, la culasse n'est pas en gaucher pour l'instant. Elle a une crosse qui est exceptionnelle puisqu'en 22 longs rifs, c'est la seule qui permet ce type de réglage. Vous avez un réglage de la crosse de 5 positions. Donc la crosse est réglable. Pour le busque, très facile à changer. On appuie. Voilà, tac. On intervertit le busque, on gagne environ 2 cm et donc très facile à remettre dans sa position. On coulisse, on remet le verrou et c'est fait. Donc très facile, très maniable et sur tout terrain où, suivant ses vêtements, on peut la régler vraiment à la distance voulue. Le gros point aussi sur cette crosse, un rail M-Lock encastré dans le fût pour monter tous les accessoires bien sûr possibles, des lampes, des lasers, des bipieds. Et le clou sur cette arme, c'est le canon interchangeable en une seconde, puisque vous pouvez retirer et remettre votre canon sans outil, avec juste une bague. On remet le canon bien sûr, et en position, c'est terminé, il est fixe. Avec bien sûr aucun jeu dans le canon. Elle est disponible en 22 longs rifs, canon de 20 pouces, fileté en 1,5 par 28. Et l'autre gros avantage du canon interchangeable, c'est que dans les 2 mois qui viennent, vous aurez un canon en 22 magnum et un canon en 17 HMR. Cette carabine sort dans 5 versions, donc mécaniquement ce sont bien sûr la même. Et vous avez 5 versions de crosse différentes, donc synthétique, noir, un bois standard, un lamellé collé gris. Vous avez aussi la version luxe qui s'appelle HQ3 qui est en noyer sélectionné. Alors il y a aussi une version en bois qu'ils appellent antique. Et c'est un bois avec une imitation d'écorce. Ça change un petit peu par rapport au bois traditionnel qu'on a l'habitude de voir.